La vraie paix ne se fabrique pas de nous-mêmes, c'est un don du Saint-Esprit. C'est ce qu'a affirmé le pape François dans son homélie de la messe matinale à la maison Sainte-Marthe ce mardi 16 mai. Le souverain pontife a souligné une paix sans croix n'est pas la paix de Jésus et a rappelé que seul le Seigneur peut apporter la paix au milieu des tribulations. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Le pape a réfléchi ce matin au sens de la paix donnée par Jésus et par Dieu, bien différente que celle offerte par le monde. Car le monde cherche une paix anesthésiée afin de ne pas faire voir la croix. La paix qu'offre le monde est une paix sans tribulation, une paix artificielle qui se réduit à de la tranquillité. C'est une paix qui regarde seulement ses propres intérêts, sa propre assurance que rien ne manque, une tranquillité qui enferme, ne voit pas au-delà. Che va nella realtà della vita, che non nega la vita. La vita è così. La paix de Dieu est une paix réelle qui va avec la réalité de la vie, qui ne nie pas la vie. La vie est comme cela. Il y a tant de souffrances, tant de choses malheureuses comme la guerre, mais la paix est un cadeau qui ne se perd pas, mais qui s'apporte devant la croix. Portando la croce e la sofferenza. Una pace senza croce. Une paix sans croix n'est pas la paix de Jésus, c'est une paix qui ne peut s'acheter. Nous pouvons la fabriquer nous-mêmes, mais elle ne durera pas. La possiamo fabbricare noi, ma non è duratura. Finisce.